Bien. Donc, merci d'être venu. Donc, dernière ligne droite. Donc, nous allons parler, comme promis, d'analyse semi-classique. Les mesures de Gibbs en dimension infinie. Et je vais commencer par vous rappeler le théorème qu'on veut démontrer, hein, que j'avais énoncé au deuxième cours. Donc on regarde un Hamiltonien qui décrit n particules. Donc n maintenant c'est un petit n, il est un grand n, c'est pas très important, qui s'écrit sous la forme abstraite suivante, la somme j égale 1 n d'un opérateur h qui agit sur la jm variable. J'écris indice xj, peut-être j'écris juste indice j, plus lambda, une partie à deux corps, somme de wjk, où on somme sur toutes les paires jk entre 1 et n. Et lambda, c'est une constante de couplage. D'accord ? Et donc on est sur l'espace, on est sur le produit tensoriel symétrique nm d'un espace de Hilbert H. Et ce qui nous intéresse tout particulièrement, c'est la situation plus concrète où H, c'est L2 d'un ouvert oméga, un ouvert borné typiquement, pas forcément, mais on pourrait penser à un ouvert borné. H, c'est moins I gradient plus un potentiel vecteur magnétique plus V de X. D'accord ? Et W, c'est une fonction, ou plus précisément, je vais dire que W psi de x, y. Donc W, c'est un opérateur qui agit sur l'ensemble des fonctions à deux variables. Donc généralement, on s'intéresse à multiplication par une fonction sous la forme W de x moins y. D'accord, je l'appelle encore W, je fais beaucoup d'abus de langage ici, mais vous comprenez ce que je veux dire. D'accord, donc ça, c'est la situation concrète à laquelle on s'intéresse. Mais en fait, le théorème que je vous énonce est un théorème abstrait qui marche pour tout Hamiltonien qui s'écrit sous cette forme. Alors, on supposera toujours que H est défini positif et à résolvante compacte. Donc, c'est pour ça qu'on pense à oméga, un domaine borné, mais sinon, ça veut dire qu'il faut que V, par exemple, tende vers l'infini assez vite. Et W, on va regarder le cas défocalisant, c'est-à-dire on va demander que W soit un opérateur positif. Bien. Et donc on s'intéresse à la fonction de partition. En fait, on s'intéresse même à l'opérateur, à l'état de Gibbs, mais commençons par la fonction de partition. Donc la fonction de partition, c'est la trace sur cet espace, sur ce produit tensoriel symétrique de l'espace Hilbert H. Ah oui, j'aurais dû vous dire, pardon, excusez-moi, que ce produit tensoriel symétrique, c'est juste les fonctions de L2 de oméga puissance n qui sont symétriques par rapport aux échanges des variables. Le produit tensoriel de L2, c'est juste L2 de oméga n, et puis le produit tensoriel symétrique, c'est juste se restreindre aux fonctions symétriques. Donc la fonction de partition, c'est juste la trace de exponentielle moins h lambda n sur t, où t c'est la température. D'accord ? Donc c'est un nombre, et c'est la trace de exponentielle moins h, bon, qui fait sens avec des hypothèses raisonnables sur av et w dans le cas concret, et puis sinon des hypothèses raisonnables sur h et w dans le cas plus abstrait. Et comme je vous l'ai dit, on va regarder le cas grand canonique où on fait une moyenne sur tous les nombres de particules possibles. Donc en fait, notre fonction de partition, z de t lambda, ça va être la somme sur tous les n de ça. Alors quand n vaut 0, je prends la trace sur un espace qui en gros est juste c. Et le Hamiltonien n'est pas vraiment défini, je prends 0. Et donc pour n égale à 0, la constante c'est 1. D'accord, c'est une convention. Et pour n égale à 1, dans ce cas-là, je n'ai pas d'interaction puisque je n'ai pas de couple. Donc c'est juste l'opérateur petit h et je fais juste la trace de exponentielle moins h. Et la bonne hypothèse, en fait, c'est de demander que exponentielle moins h soit un opérateur à trace.
Donc ça, c'est l'hypothèse abstraite. Il faut que la trace de l'exponentielle moins h soit finie, au moins. Et c'est vrai pour le Laplacien sur n'importe quel domaine borné. Donc ça sera vrai aussi pour des opérateurs sous cette forme, à condition que A et V soient suffisamment lisses. Voilà. Et donc la limite de champ moyen, on s'intéresse à la limite de champ moyen, qui va consister à prendre T grand, et comme je l'avais expliqué, lambda d'ordre 1 sur T, puisqu'on veut prendre lambda d'ordre 1 sur le nombre moyen de particules, et j'avais expliqué, je vais le réexpliquer encore un petit peu, que le nombre de particules moyens se comporte comme T. Donc ça, c'est la limite à laquelle on s'intéresse. Alors, on veut comparer ce modèle avec un modèle classique qui fait intervenir la mesure de Gibbs non linéaire. Qui va être l'objet qu'on obtient à la limite, qui est défini sous la forme suivante. Donc dmu de U, c'est la mesure qui est formellement un facteur de normalisation et ensuite exponentielle moins l'énergie de Hartree dU. D'accord ? Donc ça, c'est la définition formelle de cette mesure. On a longuement discuté comment définir proprement cette mesure, mais je vous rappelle que l'énergie de Hartree, c'est la forme quadratique associée à l'opérateur petit h que je note UHU, mais il faudrait mieux écrire la norme de H1/U, vous comprenez, plus un terme quartique qui est U tenseur U, W appliqué à U tenseur U, qui dans le cas concret est juste l'intégrale double de U de x au carré, U de y au carré, W de x moins y, dx dy, et les intégrales sont sur oméga. Donc ça, c'est dans le cas concret. Mais W est quand même, en principe, un opérateur abstrait. D'accord ? Donc c'est l'énergie de Hartree, le modèle non linéaire vers lequel on converge dans la limite de champ moyen. Et la mesure, ça c'est la mesure de Gibbs non linéaire associée. On devrait plutôt dire non gaussienne plutôt que non linéaire, mais on dit non linéaire. Donc la bonne construction de mu, je vous rappelle, c'est vraiment de le voir comme un facteur de renormalisation ZR, qui lui va être tout à fait bien défini, exponentielle moins la partie non linéaire, d mu 0 de U, où mu 0, c'est la mesure gaussienne qui correspond à la partie de petit h. Donc d mu 0 de U, c'est formellement Z0 moins 1, exponentielle moins UHU dU, qui est une mesure gaussienne qu'on a longuement étudiée, ensemble au deuxième cours. Donc je vous rappelle que donc cette mesure gaussienne, c'est vraiment le produit tensoriel J supérieur ou égal à 1 de lambda J sur pi exponentielle moins lambda J la projection de U sur Vj au carré, où les lambda J et Vj sont les éléments propres de H. Et voilà. Ce produit tensoriel converge à condition de se placer dans le bon espace. D'accord ? Donc ce qu'on sait, ce qu'on avait vu, c'est que mu 0 est bien défini sur un espace de type Sobolev qui souvent est négatif. Donc elle est bien définie sur H1-P où donc HS c'est l'espace de type petit L2 où on identifie donc c'est un espace de type Sobolev. D'accord ? Donc H0 c'est juste notre espace H. Et quand le S est positif, c'est des Sobolev positifs qui sont fabriqués à partir de l'opérateur H. Et quand le S est négatif, c'est le dual des Sobolev positifs qui ressemble fortement à un espace de Sobolev négatif. Ce n'est pas tout à fait des espaces de Sobolev négatifs, je vous rappelle, à cause des conditions au bord. Bon. Enfin, ça joue le même rôle. Bien, et P, qu'est-ce que c'est ? Et P, donc c'est un réel qui est tel que
la trace de la résolvante de h à la puissance p est finie. Donc c'est ce qu'on avait longuement discuté. Quand on a l'opérateur petit h, on peut définir cette mesure gaussienne, normalement à la condition que h-1 soit un opérateur à trace, c'est ainsi et seulement si. Mais s'il se trouve qu'on peut trouver une puissance p de sorte que h-p soit à trace, dans ce cas, il suffit de changer la norme et la mesure vit dans un espace plus gros, qui est cet espace de Sobolev négatif. Donc la vraie hypothèse, vous voyez, c'est que ça se soit fini pour un certain p qui est plus fort que cette hypothèse-là. Donc il faut que la croissance soit d'une certaine manière polynomiale pour qu'on puisse trouver un p de sorte que la somme des lambda j puissance moins 1p soit sommable. Et ce que je voulais vous rappeler aussi, c'est que pour le cas concret où, mettons h, c'est juste moins laplacien. Ensuite, si vous perturbez avec des A et des V, ça se passera à peu près pareil. Il faut que le P soit supérieur strictement à D sur 2. C'est ça qui va rendre la résolvante à la puissance moins P sommable. Et donc, vous allez être dans l'espace de Sobolev négatif avec un exposant inférieur strictement à 1 moins D sur 2. Et vous voyez qu'en dimension 1, vous pouvez définir la mesure sur L2, même quasiment dans H1,5. Et ensuite, ça devient de pire en pire au fur et à mesure que la dimension augmente. En dimension 2, la mesure ne vit exactement pas sur L2, mais elle est dans tous les Sobolev négatifs. Et ensuite, en dimension 3, ça s'empire, etc. Bien. Alors, donc ça, c'était pour la mesure mu 0. Donc, c'est notre mesure de référence, la mesure gaussienne. Donc ce qu'on avait dit, c'est que la mesure mu va être très bien définie à condition que W soit bien défini sur le support de mu 0. Donc c'est ce qu'on va supposer. Donc on suppose que W est bien défini sur le support de mu 0. On va mettre une hypothèse plus concrète dans le théorème, mais vous voyez que en dimension 1, comme la mesure vit presque dans H1,5, en fait, on peut très bien traiter l'exemple qui est ici, une fonction de x moins y, et on peut même prendre une delta, ou n'importe quelle mesure, auquel cas, n'importe quelle mesure bornée, auquel cas, pour une delta, on trouvera NLS, donc l'équation de Schrödinger non linéaire. Par contre, dès la dimension 2, une fonction de x moins y, ça ne va pas marcher. Ce n'est pas défini sur les Sobolev négatifs, et donc on est obligé de travailler avec un W plus régulier, plus sympathique que des fonctions comme ça. On n'a pas cherché à optimiser les hypothèses sur W, au moins pas trop. Donc vous devez penser que W est une certaine régularisation qui est obligatoire, on n'a pas le choix, de W de x moins y. D'accord ? Il y a deux choses qu'on doit régulariser. On doit régulariser le manque de décroissance en x plus y. Et par ailleurs, on doit régulariser le fait que W est un opérateur de multiplication, on doit transformer ça en un opérateur plus sympathique. Donc si vous voulez, il y a une espèce de delta qui est caché qu'il faut aussi régulariser. Bon, pour l'exposer, vous pouvez simplement penser que W, donc exemple, hein, je vais écrire une condition précise ensuite, que j'avais déjà écrite au deuxième cours, mais pensez à W de rang fini avec des vecteurs propres très lisses, de sorte que vous puissiez l'appliquer à une mesure, enfin une distribution qui vit dans ces Sobolev négatifs. Et donc le théorème que j'avais énoncé au deuxième cours et que nous allons démontrer aujourd'hui, c'est le suivant. Je vais remettre la plupart des hypothèses dans le théorème pour que tout soit bien clair. Donc H, c'est un opérateur défini positif, W, un opérateur juste positif. Et alors, on a deux hypothèses différentes. Donc, si P égale à 1, c'est-à-dire si la résolvante de H est à trace, si la somme des 1 sur lambda J est sommable, dans ce cas-là, l'hypothèse qu'on demande, c'est que la trace de W H-1 tenseur H-1 soit finie. Et cette trace est encore à interpréter au sens des formes quadratiques. Pensez que vous mettez un H-1,5, H-1,5 de chaque côté. Dans ce cas-là, vous obtenez un opérateur positif. On peut toujours définir la trace d'un opérateur positif. Éventuellement, c'est plus l'infini.
et on demande qu'elle soit finie. D'accord ? Et ça, c'est vérifié. Donc, pour les exemples concrets, c'est vérifié. Si W est une mesure bornée plus une fonction de L infini, ce qui couvre tous les cas physiques qui nous intéressent en dimension 1. Par contre, c'est pour D égale 1. Si P est strictement plus grand que 1, on met une hypothèse plus forte. On va demander de pouvoir contrôler vraiment W en tant qu'opérateur, pas seulement contrôler une trace. Et on demande que W soit inférieur ou égal à une constante, H1-P' tenseur H1-P', où P' est strictement plus grand que P. Donc ce que vous voyez, c'est que cette hypothèse est plus forte. Puisque si vous multipliez par H-1 des deux côtés, ça vous enlève le moins 1. Vous trouvez H-P', H-P', vous prenez la trace, essentiellement le produit des traces. Et comme P' est strictement plus grand que P, la trace est finie. D'accord ? Donc cette hypothèse implique quelque chose de ce type-là, mais c'est quand même beaucoup plus fort. Et par ailleurs, le P' est strictement plus grand que P, mais n'importe quel P' plus grand que P convient. D'accord ? Donc on demande que W soit juste légèrement plus régulier que le P qui rend la trace de H-P finie. Donc en fait, si on est dans l'exemple concret, il suffit juste... P et P' doivent tous les deux être strictement plus grands que D sur, que 1, que D sur 2. Oui, pardon. Et voilà. La constante peut ensuite dépendre de P' et tout se détériorera avec la constante. Donc ça, c'est les hypothèses. Et la conclusion du théorème, c'était qu'on avait convergence Donc on regarde la fonction de partition Z de T lambda et on la compare avec la fonction de partition où on enlève l'interaction. Et le théorème disait que ça converge quand t tend vers l'infini et lambda t tend vers 1, vers zr, qui est le coefficient de normalisation de la mesure mu, c'est-à-dire l'intégrale de exponentielle moins le terme non linéaire d mu 0 de u. Donc cette partie du théorème, c'est la partie qui concerne la convergence de l'énergie, en fait plus précisément de l'énergie libre. On va le réexpliquer. Donc évidemment, une convergence de nombres comme ça ne caractérise pas la mesure mu0. En fait, si, un petit peu, parce qu'on peut varier le W et obtenir des informations. Mais on a aussi une convergence qui caractérise la mesure mu. Sauf que ça va marcher seulement si P égale à 1. Donc si vous prenez un opérateur A qui agit sur le produit tensoriel de seulement K particules, d'accord, donc on parle de convergence en tant que marginale, on regarde un processus qui fait intervenir seulement K particules à la fois. Évidemment, notre problème, c'est qu'on a sommé sur N, donc on doit faire intervenir K particules à la fois, mais on doit faire une moyenne sur tous les nombres de particules possibles. Donc du coup, le résultat, c'est le suivant. On regarde 1 sur t à la puissance k. On divise aussi par le facteur de normalisation qu'il faut. Et on regarde la somme. Pour n égale k à l'infini, on est obligé de commencer à k. Parce qu'il faut un processus qui fasse intervenir au moins k particules. Et on regarde la trace de notre état, où on ne fait agir a que sur les k premières particules. Et ensuite, comme on a fait un choix des k premières, il faut mettre un coefficient bon, qui est juste n factoriel sur n moins k factoriel. Et puis ici, on met l'état de Gibbs, donc c'est exponentiel moins h lambda n divisé par t. Voilà. D'accord, donc on regarde un processus qui fait intervenir k particules et on teste contre cet état de Gibbs. Et donc le théorème dit que cet objet tend vers u tenseur k à u tenseur k d mu de u. D'accord ? Alors, sauf que vous voyez que pour que ça ait un sens, il faut que a soit légèrement mieux. Il faut qu'on puisse l'appliquer à une distribution qui est dans un sobolev négatif. Donc ça, c'est toujours quand t tend vers l'infini et lambda t tend vers 1. Donc vous pouvez penser à A suffisamment lisse
Sauf qu'en fait, si on interprète cet objet de manière différente, c'est-à-dire si on écrit la trace de A fois l'intégrale, c'est-à-dire on échange l'intégrale avec le produit scalaire, et ensuite l'opérateur U tenseur K des mu de U, il se trouve que cet opérateur est en fait borné sur le produit tensoriel Kn de H. Donc en fait, la limite a lieu pour tout A juste borné sur le produit tensoriel, mais alors cet objet, il faut vraiment l'interpréter comme ça. Bon, vous voyez, c'est un peu étrange, vous avez des moyennes de distribution, mais il se trouve que la moyenne des distributions s'arrange et à la fin, on trouve un opérateur borné sur l'espace de départ. Et ça, on l'avait vu ensemble, on avait dit que si on prenait K égale 1, la moyenne de, selon mu0, par exemple, c'était 1 sur H, qui lui est borné sur l'espace de départ. Bien, donc ça, c'est le résultat, sauf qu'en fait, ça, c'est valable pour tout K supérieur ou égal à 1, si P égale 1. Et dans ce cas-là, A borné marche très bien, c'est ce que je vous ai énoncé. Par contre, on a su le démontrer que pour K égale 1, si P est strictement plus grand que 1, et il faut ajouter l'hypothèse que A est compact. En fait, il faut même un petit peu plus d'hypothèses. Bon, la vraie hypothèse, c'est qu'il faut que A soit dans un certain chaton, alors mettons A de rang fini, c'est plus simple. Donc vous voyez que dans ce dernier énoncé, on a une grande perte quand la mesure est sortie de l'espace. On est capable de faire cette limite seulement pour K égale 1. Donc cette limite caractérise la mesure finale. D'accord ? Si vous connaissez ces objets pour tout K et tout A, vous connaissez la mesure, parce que c'est comme tester la mesure contre tous les polynômes. Et donc la mesure est totalement caractérisée quand P égale 1, c'est-à-dire en dimension 1, et quand P est strictement plus grand que 1, ce résultat ne caractérise pas la mesure, mais on a une autre manière de le faire, que je commenterai un petit peu plus tard. Voilà, donc le résumé, c'est qu'on démarre d'un problème quantique à n corps, dans une limite de champ moyen où le nombre moyen de particules est très grand, et le couplage est de l'ordre 1 sur t. La manière de rendre le nombre moyen de particules très grand, c'est de variété, la température. Et l'état de Gibbs quantique converge d'une certaine manière, qui est en fait une limite semi-classique, vers l'état de Gibbs non linéaire, la mesure de Gibbs mu. Et c'est ce qu'il faut qu'on démontre. Donc, la première remarque, c'est que si on est en dimension finie, on l'a déjà fait, je vous ai expliqué la semaine dernière comment faire, avec des inégalités sur l'entropie. Donc si H, les espaces de dimension finie, je préfère les appeler V, parce qu'il faut intervenir plusieurs fois, donc si H égale V est de dimension finie, alors on a déjà commencé à expliquer ce qui se passait la dernière fois. Dans ce cas-là, on peut trouver la limite, le comportement de Z directement. Et l'analyse semi-classique va nous dire que quand t tend vers l'infini et que lambda t tend vers 1, ça se comporte comme t sur pi à la puissance la dimension de v fois l'intégrale de l'énergie. Et l'intégrale fait sens maintenant, il n'y a plus de problème. Donc vous comprenez l'idée, hein, vous voyez que la fonction de partition se comporte comme ce coefficient qui diverge extrêmement vite, à la puissance la dimension. D'accord ? Et donc ce coefficient va être, ne fait juste pas du tout sens si jamais on est en dimension infinie. D'ailleurs, en dimension infinie, ça ne fait pas sens non plus. Mais quand on fait le quotient entre la fonction de partition avec interaction et la fonction de partition sans interaction, ce coefficient qui est le même s'élimine. Et ici, on trouve exactement l'intégrale de l'énergie divisée par l'intégrale seulement de la partie quadratique, qui est justement le facteur de normalisation de la mesure mu. Donc, en faisant le quotient, on arrive à éliminer ces deux divergences, la divergence explicite ici, et ensuite la divergence ici, qui vient du fait que la mesure ne vit pas, qu'on est en dimension infinie. Donc ça, c'est vraiment l'explication du résultat. Et
Donc la dernière fois, on n'avait pas tout à fait démontré ce résultat-là, on avait fait la version canonique, tandis que là, on fait la version grand canonique. La dernière fois, on avait démontré la chose suivante, on avait démontré que la trace de l'exponentielle de moins hn lambda, peut-être je l'appelle h lambda n, je ne sais jamais, divisé par n, on avait regardé un n fixé, on n'avait pas divisé par t, on avait divisé par n. Et on avait expliqué que ça se comportait comme la dimension du produit tensoriel de V multiplié par l'intégrale sur la sphère de V de exponentielle moins l'énergie. C'est ce qu'on avait démontré la dernière fois. Cette dimension, c'est juste n plus d moins 1 d moins 1 qui se comporte comme n à la puissance d moins 1 sur d moins 1 factoriel. Et on avait fait cette preuve, c'était tout à la fin, je n'avais pas fait vraiment tous les détails, mais on avait fait cette preuve en utilisant la résolution de l'identité suivante. Donc le fait que, si vous regardez U tenseur N, DU, et que vous intégrez sur la sphère de V, avec, en mettant ici la dimension convenable, vous trouvez l'identité du produit tensoriel symétrique. Et en utilisant des inégalités sur l'entropie, les inégalités de Bérézine libre, on avait expliqué qu'on avait cette limite ici. Donc cette limite, c'est juste quand n tend vers l'infini et que lambda n tend vers 1. Ce que je voudrais très rapidement vous expliquer, c'est intuitivement la formule grand canonique à partir de la formule canonique. En fait, on peut utiliser ce théorème et démontrer le résultat que j'ai écrit au-dessus, ou on peut aussi faire directement la démonstration du résultat que j'ai écrit au-dessus, ce qui est peut-être même plus efficace. Mais la démonstration, c'est juste la suivante. Vous regardez, ou l'idée de la démonstration, hein. Vous regardez la somme de ces choses-là. Mais maintenant, on a hn lambda divisé par t, pas divisé par n. Donc notre problème, c'est qu'on aimerait diviser par t et pas par n. Et par ailleurs, le lambda, c'est 1 sur t. Pas 1 sur n. Mais ce qu'on fait, c'est que, en fait, ce qu'on peut démontrer, c'est que dans cette somme, seuls les termes pour lesquels n est du même ordre que t vont compter. Donc on imagine que n sur t est un grand taux de 1, est d'ordre 1. C'est pas égal à 1, hein, mais d'ordre une certaine constante. Et du coup, donc ce que je prétends, c'est que cette série va se comporter de la même manière que la somme sur n, et on utilise le résultat au-dessus. Alors comment on fait? Regardez. Si vous regardez le hamiltonien qui est tout en haut, je le divise par t, alors j'aurais voulu le diviser par n, donc ça veut dire que je vais avoir un facteur n sur t, et je dis que n sur t c'est une constante. Par ailleurs, le lambda est aussi 1 sur t, alors j'aurais voulu avoir 1 sur n, et donc je vais encore avoir un autre facteur n sur t. Donc en fait ici, je vais avoir un facteur n sur t, et ici je vais avoir un facteur n carré sur t carré. Mais si vous regardez l'énergie de Hartree, ici elle est quadratique en U, et ici elle est quartique en U. Donc en fait, ce qu'on peut démontrer, et ce que vous pouvez d'une certaine manière croire, c'est que ça va se comporter comme n, donc à la puissance d-1 sur d-1 factoriel, et l'intégrale sur la sphère de V de exponentielle moins l'énergie de Hartree, la racine de n sur t U du. D'accord? Parce que c'est exactement ce qui va vous donner un facteur n sur t devant le H, et n sur t au carré devant le W. Et c'est vraiment très important. Ce que vous devez toujours imaginer, c'est qu'en grand canonique, vous faites la somme sur tous les n, le n sur t, ça correspond à faire une intégrale sur une sphère. D'accord? Et le rayon de la sphère, c'est vraiment la racine de n sur t. Alors maintenant, comment on continue? Donc la manière d'écrire cette somme, c'est de l'écrire la somme n supérieure ou égale à 0 de n sur t à la puissance... Alors attendez. Donc je mets t puissance d qu'on aimerait avoir. On va avoir un t puissance la dimension. On a le d moins 1 factoriel. Et du coup, on a n sur t à la puissance d moins 1. Et il reste un 1 sur t. Il faut la même intégrale.
Ce que vous voyez, c'est que ça correspond à une somme de Riemann, où on conserve les points en n sur t. 1 sur t, c'est bien la différence entre les points. Et ça, c'est r à la puissance d moins 1. C'est l'élément de, c'est le r d moins 1 dr qu'il faut pour faire apparaître une intégrale sur tout l'espace. Donc ça va se comporter comme t à la puissance d divisé par d moins 1 factoriel. Et ensuite, vous aurez l'intégrale sur tout l'espace. Le seul problème, c'est que la mesure ici, elle est normalisée à 1, donc il me manque la mesure de la sphère. Donc il faut que je divise par la mesure de la sphère qui manque. Et ce que je vous rappelle, c'est qu'on est en complexe, et donc c'est vraiment la sphère de dimension 2D. Donc on va trouver ça contre. Donc là, c'est très bien, on a juste le R qui est le rayon de la sphère, et là on somme, voilà. Donc on va trouver l'intégrale sur tout V, l'énergie de U du. Et il reste à calculer ce coefficient ici, mais si vous calculez l'aire de la sphère de dimension 2D, enfin en dimension 2D, donc la sphère S2D moins 1, vous allez trouver exactement le pi qui est là-haut. C'est exactement égal à t sur pi à la puissance d. D'accord, donc il y a beaucoup d'approximations dans cet argument. C'est un argument heuristique, c'est pas une preuve. On peut le rendre rigoureux ou on peut aussi simplement refaire la preuve depuis le début en utilisant une autre résolution de l'identité qui est celle qu'on va utiliser maintenant. Donc vous voyez qu'en dimension finie, on l'a déjà fait, et donc ça peut se faire en utilisant le principe variationnel de Gibbs qui donne une caractérisation de l'état de Gibbs quantique et les inégalités qu'on a apprises la semaine dernière sur l'entropie. Donc maintenant, on aimerait faire la même chose, sauf que vous voyez que nous, on doit traiter directement le quotient des deux fonctions de partition, ce qui, bien sûr, va causer des problèmes. Mais l'astuce consiste à écrire un problème variationnel qui traite le quotient directement. Au lieu d'avoir un problème pour chaque, là, on ne va pas s'en sortir, parce qu'on va soustraire... Le problème variationnel, il est pour moins log de z, je vous rappelle. Donc quand on prend moins log, on trouve bien la soustraction de deux problèmes variationnels. Si on fait ça, ça ne va pas aller. Mais on va écrire un problème variationnel qui caractérise directement moins log de ce quotient. Donc on va faire maintenant la formulation variationnelle. Pour faire cette formulation, au lieu d'avoir sans arrêt ces sommes sur petit n, il est plus agréable de travailler dans un espace fixe, un seul. Donc on va travailler dans l'espace de Fock. L'espace de Fock, c'est juste un procédé algébrique qui permet de tenir compte automatiquement de toutes ces sommes sur n. Donc l'espace de Fock F, c'est juste la somme directe sur tous les n des produits tensoriels symétriques n-m de notre espace H. D'accord ? Donc, c'est-à-dire, on les met juste bout à bout, on fait la somme directe, et du coup, la trace d'un opérateur sur cet espace deviendra la somme des traces sur chacun des espaces. Donc, pour que ça marche, il faut qu'on introduise un opérateur que j'appelle H indice lambda, qui est juste, dont je vais écrire précisément, donc, sur l'espace pour n égale à 0, c'est juste 0. Ensuite, sur l'espace à une particule, c'est juste petit h. Et ensuite, vous mettez les opérateurs h lambda n. D'accord ? Donc, on fabrique juste une somme directe infinie où on met les espaces tous dans la même somme directe, tous les opérateurs dans la même somme directe. Et vous avez bien sûr que la trace sur l'espace de Fock de exponentielle moins h lambda sur t et la somme sur n des traces sur les produits tensoriels symétriques des exponentielles moins h lambda n sur t qui est notre z. Donc en utilisant l'espace de Fock, on écrit comme la trace de l'exponentielle d'un unique opérateur
pour lequel on sait qu'on a une caractérisation variationnelle. Donc la caractérisation variationnelle, on l'a vu la dernière fois. Hein, donc on sait que moins t fois le log de z, c'est-à-dire moins t fois le log de la trace de exponentielle moins n'importe quel opérateur sur t, c'est en fait l'inf. En fait, c'est le min. Sur tous les opérateurs auto-adjoints, positifs, de trace égale à 1. Et là, on est sur l'espace de Fock, de la trace de l'opérateur en question, plus T, la trace de gamma log gamma. Et l'unique minimiseur, c'est gamma lambda t, qui est juste le z moins 1 fois exponentielle moins h sur t, qui est l'état de Gibbs quantique. Vous voyez qu'on a une caractérisation variationnelle, et c'est ce qu'on avait évoqué la dernière fois. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est cet objet auquel on soustrait le même avec lambda égale à 0, et puis après on divise par t. Donc on va écrire que moins t le log de z divisé par z à lambda égale à 0. Vous voyez, la seule chose qu'il faut faire, c'est soustraire, puisque le minimum est atteint en gamma 0, ça veut dire que le moins log de z de t est 0, est juste la trace de h0 gamma plus t gamma 0 log gamma. Donc ça, vous pouvez l'écrire. Le min, on soustrait une constante. Hein. Donc toujours le même min. De la trace de h lambda gamma moins la trace de h0 gamma. Gamma 0, pardon. Qui est le minimiseur du problème. Plus t, la trace de gamma log gamma, moins gamma 0 log gamma 0. Donc là, on n'a rien fait, on a juste soustrait des constantes, et c'est juste une manière d'écrire le problème variationnel. Et ensuite, la dernière fois, on avait déjà expliqué que si j'enlève le terme en lambda, ici, la différence, donc prenons lambda égale à 0, dans ce cas-là, je sais que tout ça doit toujours être positif, et le minimum doit être atteint en 0. Parce que gamma 0 est l'unique minimiseur du problème avec lambda égale à 0. Et ce qu'on avait vu, c'est qu'en fait, la différence s'écrivait en termes de l'entropie relative. Donc ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est que ça, c'est le min sur tous les gammas, donc là, je ne fais rien du tout. De t fois l'entropie relative de gamma avec gamma 0. Et ensuite, j'ai toujours le terme, la trace de lambda w gamma. Alors ici, w, c'est la partie de l'opérateur h qui est juste devant le coefficient lambda. Donc, c'est-à-dire ça fait 0 sur le premier espace, ça fait encore 0 sur le second, et après ça fait la somme des wjk, peut-être je mets plus, d'accord ? Donc ça c'est l'opérateur w qui est cette somme sur toutes les paires, sur chacun des espaces à n particules. Et l'entropie relative, c'est la trace de gamma log gamma moins log gamma 0. Et je vous rappelle que c'est une fonction qui est positive et qui s'annule uniquement quand gamma est égal à gamma 0. Ça, c'est le fait que gamma 0 est l'unique minimiseur du problème quand lambda vaut 0. Alors, vous aurez remarqué le facteur t ici devant. Bon, il faut juste faire le calcul
pour vérifier qu'il y a ce facteur t. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette quantité sans le facteur t ici, donc il faut diviser par t. Donc voilà la caractérisation variationnelle qui va nous occuper. Donc juste le moins log du quotient qui nous intéresse, c'est le minimum sur tous les opérateurs positifs dont la trace est normalisée, de l'entropie relative de gamma par rapport à gamma 0, et lambda divisé par t, la trace de W fois gamma. Ça, c'est la caractérisation variationnelle du problème qui nous intéresse. Bon, et je pense que c'était bien clair, mais je vais quand même le rappeler. Gamma 0, c'est z de t 0 moins 1, exponentielle moins h0 sur t. C'est l'état de Gibbs dans lequel il n'y a pas d'interaction, pour lequel on peut d'ailleurs tout calculer, comme je vais vous expliquer. Alors, on veut comparer ce problème variationnel avec le pendant classique qui fait intervenir des mesures. Et donc, les mêmes types d'arguments vous montrent que si vous regardez moins log de ZR, donc c'est moins log de l'intégrale du terme non linéaire des mu 0 de U, donc cette quantité, vous pouvez en fait l'écrire aussi le min sur toutes les probabilités nues de l'entropie relative classique de nu par rapport à mu 0 plus le terme non linéaire intégré. Donc c'est-à-dire 1 demi de u tenseur 2 w u tenseur 2 des nu de u. D'accord ? Donc vous avez aussi une caractérisation variationnelle de la fonction de partition classique et l'unique minimiseur est justement notre mu. Donc vous comprenez bien ce qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on démontre que ce problème de minimisation ici, d'une certaine manière, gamma converge, si vous aimez la gamma convergence, vers ce problème ici. Alors, une toute petite remarque sur le problème quantique, c'est que vous voyez que notre opérateur, il est vraiment une somme directe d'opérateurs, c'est-à-dire c'est un opérateur par bloc, diagonale par bloc, dans cette décomposition ici. Quand introduire l'espace de Fock, on a l'impression qu'on en fait un petit peu trop, puisque de toute façon, chaque opérateur agit exactement sur chaque espace. Donc, ça signifie qu'en fait, on peut se restreindre dans tous les problèmes de minimisation que j'ai écrits au-dessus partout. Là, vous voyez, j'ai pris un opérateur gamma quelconque sur l'espace de Fock, donc j'autorise les termes ordiagonaux, mais ce n'est pas du tout nécessaire. On sait très bien quel est le minimiseur, et le minimiseur, il est diagonal. Donc en fait, on peut se restreindre aux gamma qui sont diagonaux par bloc. C'est-à-dire, on peut l'écrire G0 sur le premier espace, plus G1 sur le deuxième espace, plus G2, plus etc. D'accord ? Donc même quand on fait la minimisation, on peut se restreindre aux opérateurs sous cette forme. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est comprendre le lien entre ces deux problèmes variationnels. On a un problème qui est posé sur tous les opérateurs, éventuellement sous cette forme, dans l'espace de Fock, et un problème qui concerne toutes les mesures sur l'espace L2. Quel est le lien entre les deux ? C'est l'analyse semi-classique qui va nous donner un lien naturel, et ça va être éclairci par le théorème suivant, qui est dû à Marie et Nier en 2008, et on a donné une preuve différente avec Nam et Rougerie, 2013 ou 2014, je ne sais plus bien.
Comme vous allez voir, c'est plutôt la partie construction dans la preuve qui compte plutôt que le théorème lui-même. Donc, quel est le théorème ? Donc, vous prenez une suite d'états quantiques quelconques. Suite d'états sur F. Donc, état, ça veut dire qu'ils sont tous positifs, auto-adjoints de trace égale à 1. Et en fait, vous pouvez aussi les supposer diagonaux par bloc, si vous voulez. On n'en a pas vraiment besoin, mais... Et à la fin, cette suite d'états, pour nous, ce sera la suite des états de Gibbs, c'est-à-dire la suite des minimiseurs ici. Et alors maintenant, il faut trouver une manière de caractériser le fait que ça se comporte de façon semi-classique. Donc ça, ça peut se faire en regardant le nombre moyen de particules et en montrant que ce nombre moyen augmente. Et en fait, la bonne manière, c'est de regarder toutes les puissances du nombre moyen de particules, montrer qu'elles augmentent toutes avec la même puissance. Donc vous regardez la trace de epsilon jn, je vais définir ces objets, puissance k de gamma j, et vous demandez que ça, c'est uniformément borné par une constante qui peut dépendre de k. Donc vous mettez cette hypothèse avec, donc epsilon j c'est une suite qui tend vers 0, quelconque, donc ce sera 1 sur le nombre de particules, et n c'est l'opérateur qui fabrique le nombre moyen de particules, donc n c'est juste l'opérateur qui vaut 0, puis qui vaut 1 sur le premier espace, 2 sur le second, 3 sur le suivant, etc. Et donc la trace de epsilon j n puissance k gamma j, si vous n'aimez pas cette notation, donc imaginez que gamma j soit écrit par bloc comme ça, avec des g n j, ça va juste être epsilon j puissance k, la somme n supérieur ou égal à 0, des n puissance k, la trace de g n j. D'accord, donc les GN, c'est les composants ici. Ça, c'est ce qui me compte le nombre moyen de particules à la puissance K. Et donc, on demande... Donc, vous voyez, quand K est égal à 1, on demande juste que le nombre moyen de particules diverge, puis ça se comporte comme 1 sur epsilon J. Mais on demande que ça soit vrai pour toute puissance K. Et le théorème dit, alors, il existe... une sous-suite que je ne vais pas écrire, je vais encore appeler la suite gamma j. Bon. Et une mesure de probabilité sur notre espace de Hilbert ambiant, qui est de dimension infinie éventuellement, telle que on ait la convergence de tout à l'heure, c'est-à-dire la somme n supérieur ou égal à k de n factoriel sur n moins k factoriel, la trace de a tenseur 1 fois le g nj converge vers l'intégrale de u puissance k à u puissance k d nu de u. Et j'ai oublié un epsilon j que j'oublie tout le temps. D'accord, donc ce théorème dit que quand on a une suite quelconque d'états qui vérifie cette condition de type semi-classique, alors en fait il existe toujours une mesure de probabilité à la fin pour laquelle cette propriété est vraie. Donc c'est un théorème très important parce que ça nous dit que le comportement est tel que la mesure, il y a toujours une mesure naturelle à la limite à sous-suite près, pour laquelle on aura la convergence de tous ces objets. Et ce qui va seulement nous rester à faire, c'est d'identifier la mesure en question et de montrer que c'est la nôtre, que c'est le mu qui est la mesure non linéaire.
On va démontrer ce théorème. Ah oui, j'ai oublié de dire pour quel A. Donc c'est comme tout à l'heure, mais j'écris juste pour tout A compact. Donc c'est pour tout A, opérateur borné, enfin en fait compact, sur le produit tensoriel Km de l'espace de Hilbert. On a besoin que A soit compact, donc c'est une convergence faible ça. Donc pour faire la preuve, on va commencer par faire le cas de la dimension finie, qu'en fait on a déjà presque fait. Donc premier cas, H égale V de dimension finie. Et on va démarrer avec ce qu'on a fait la dernière fois, c'est-à-dire avec la résolution de l'identité qui est basée sur les produits tensoriels, qu'on n'a pas démontré d'ailleurs, donc on va en profiter pour la démontrer, et voir que naturellement, il y a une mesure qui apparaît. Donc je vous rappelle le théorème qu'on a énoncé la dernière fois, mais qu'on n'a pas encore démontré, qui est ce théorème de De Finetti quantitatif. Donc il disait la chose suivante, vous prenez G, un opérateur positif et auto-adjoint de trace égale à 1, sur le produit tensoriel d'un espace de dimension finie V. Et ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est qu'on avait une résolution naturelle de l'identité que j'ai rappelée tout à l'heure, et que du coup, on pouvait introduire la mesure mu indice G de U, qui est la dimension de cet espace. Je rappelle que c'est n plus d moins 1 u tenseur n, g u tenseur n, du. Donc ça, c'est une mesure sur la sphère de V. Et ce qu'on avait dit la dernière fois, ce que disait ce théorème, c'est que quand on prenait A tenseur l'identité et qu'on testait contre l'opérateur G, on pouvait remplacer de tels objets par une moyenne U tenseur K A U tenseur K avec cette mesure ici, mu G de U, et qu'on faisait une erreur qui était 4k fois la dimension sur n fois la norme de A. Vous vous souvenez, c'est le théorème de la dernière fois. Quand on teste contre un opérateur qui fait intervenir seulement k particules alors qu'on en a beaucoup, d'ordre n, alors on peut remplacer de telles traces par une moyenne contre une mesure mu. D'accord ? Et ça consiste à supposer essentiellement que notre état est presque composé de U tenseur N, a une erreur d'ordre KD sur N près. Donc avant de démontrer ce théorème, je vais vous expliquer comment on peut l'utiliser pour en déduire l'autre théorème en dimension finie. Vous allez voir qu'il y a déjà tout, puisque la mesure, elle est écrite ici. C'est le mu g. Donc la seule chose qu'il faut comprendre, c'est comment on passe du cas canonique sur une sphère au cas grand canonique sur tout l'espace. Nous, on a des mesures sur tout l'espace et on a une moyenne sur n. Ici, on a un n qui tend vers l'infini mais qui est quand même donné et la mesure vit sur la sphère. Donc comment on fait? Bon, c'est assez simple. Donc on prend notre suite gamma j et les epsilon j comme dans l'énoncé, mais on suppose qu'on est en dimension finie. Hein. Et on écrit gamma j comme la somme des g nj, comme j'avais fait tout à l'heure. Et pour chacun des g nj, on va appliquer ce théorème. D'accord ? Donc chaque g nj nous fournit un mu nj sur la sphère de notre espace V. Et ce qui nous intéresse, c'est de regarder la somme n factoriel sur n moins k factoriel des traces de A
tenseur 1 fois le GNJ. C'est ce qu'il y a dans l'énoncé, c'est ça qui nous intéresse, et on aimerait le remplacer par la mesure en question. Donc vous voyez que si on applique simplement le théorème, bon ben ça, on peut simplement le remplacer. Donc on a la somme n factoriel sur n moins k factoriel de l'intégrale de u tenseur k à u tenseur k d mu nj sur la sphère. Et il ne faut pas que j'oublie de multiplier par epsilon j absence k, comme d'habitude, j'oublie tout le temps. Et ensuite, on utilise simplement l'estimé. Donc vous allez voir que ça va s'estimer par epsilon j puissance k, la somme pour n supérieur ou égal à k. Alors le n factoriel sur n moins k factoriel, je vais l'estimer par n puissance k. Et ensuite, je vais avoir 4kd sur n, la norme de A. Bon, il faut faire attention que l'énoncé ici était lorsque la trace de G valait 1, mais la trace de Gn ne vaut pas 1. Donc du coup, la trace de Gn apparaît ici. Donc vous voyez que le 1 sur n est très important. Il va nous tuer un des n ici. Et donc le tout, vous pouvez l'estimer par 4kd fois epsilon j. Et ensuite, vous voyez apparaître la somme des epsilon j puissance k moins 1, la somme n à la puissance k moins 1 de la trace, qui est bornée par la constante ck moins 1. Et donc vous avez le epsilon j et ça tend vers 0. Donc ce que vous voyez, c'est que quand on regarde une quantité comme ça, on peut la remplacer par la mesure en question à une erreur d'ordre epsilon j près. Avant, c'était d'ordre 1 sur n, mais maintenant, avec les sommes, ça devient epsilon j. Donc on n'a pas tout à fait fini, parce que ça, maintenant, il faut l'écrire comme l'intégrale d'une mesure sur tout l'espace, et on ne veut plus avoir toutes ces sommes et tout ça. Donc l'astuce est la suivante. Donc je redémarre de la somme qui est là-bas. Donc la première astuce, c'est de remplacer le n factoriel sur n moins k factoriel par n puissance k. Souvenez-vous, on a k qui est fixe et n qui est très grand. Et quand on fait ça, on va faire une erreur contrôlable qui va être du même ordre, qui va être encore une constante fois k, divisé par n, et ça va partir dans l'erreur qui est là-bas. Donc ça, je peux le remplacer par n puissance k. Et du coup, j'ai envie d'écrire n epsilon j puissance k. Et maintenant, j'écris exactement. Donc c'est u tenseur k à u tenseur k. Et le d mu jn de u. Et maintenant, vous voyez que modulo le fait qu'il nous manque les premiers termes, et les premiers termes, de toute façon, sont très petits, puisqu'ils ont le n qui est fixe et ils ont un epsilon j devant, ils sont très petits. Donc ça, vous devez vraiment penser que modulo les premiers termes, c'est vraiment l'intégrale sur tout l'espace de u tenseur k à u tenseur k, 1 d mu j, cette fois, de u, où mu, c'est une mesure qui vit sur des sphères, puisque vous voyez qu'on a le coefficient ici, la puissance k, qui correspond exactement au nombre de u qu'on met. Donc une autre manière de réinterpréter cette somme, c'est de dire que les mu jn, on les met, les mu jn, ils vivent sur des sphères, hein, mais on les met sur des sphères de rayon epsilon n fois j, alors racine peut-être. Si on met tous ces mu jn qui vivent sur des sphères dans des sphères de rayon racine de epsilon nj, alors on tombe naturellement sur cette mesure mu j qui vit dans tout l'espace, et sur ces sphères-là, et on peut réécrire la somme avec une seule intégrale.
Et vous voyez que la grande astuce quand même de toute cette histoire, c'est que le mu j ne dépend pas de k. C'est le même mu j qui apparaît tout le temps. Bon, en fait, le nombre de termes dépend de k, mais comme k est fixe, bon, c'est toujours le même mu j, le k n'apparaît que dans la puissance ici et dans le a. Est-ce que oui. Moi ça va un peu trop vite. Le mu jn, c'est une mesure sur la sphère unité dans V. Oui. Bon, et alors tu le mets sur une sphère de rayon, tu multiplies par. Bah, c'est-à-dire, je le vois comme un produit tensoriel de mesure. Il y a la partie sur la sphère et la partie pour le rayon. Quand j'ai le rayon de la sphère, moi je multiplierai par le rayon à la puissance de la dimension de V, non ? Non, mais il ne faut pas le voir comme ça. C'est juste que. Donc il y a la partie sur la sphère. La partie sur la sphère, c'est la mesure mu. Et ensuite, on met une delta uniforme que je n'ai pas écrite pour la partie rayon. D'accord ? Je n'ai pas écrit le delta, j'ai juste fait le dessin. D'accord ? Donc la mesure mu, c'est un produit, enfin une somme de produits tensoriels où il y a la partie angulaire et la partie radiale. Pourquoi le rayon, ça serait racine de mu jn ? C'est à cause de ce qui apparaît ici. Puisqu'on a ce coefficient en puissance k, et là, les u, c'est sur les u hein, que ça porte. Donc, il faut penser que c'est des mu j de u sur norme de u. C'est comme ça qu'on les interprète. La partie angulaire, et ensuite la partie radiale. Attends, c'est une mesure sur la sphère dans V puissance k, alors ? Non, dans V. Il n'y a pas de puissance k. D'accord ? Donc, le U ici est dans la sphère, mais je pense, c'est-à-dire arbitrairement je divise par U puissance K, et là je remultiplie. De toute façon ça vaut 1. Hein. D'accord ? Et après je vois ça comme une fonction de la partie angulaire, U sur sa norme, et ça comme ça. D'accord ? Bon. On pourra en reparler. Il y a juste un truc qui m'échappe un peu. Oui. Donc K est fixé. K est fixé, c'est très important. D'accord. K est fixé, ça. C'est K qui est fixé. C'est pas ça le problème. C'est moi, je m'attends à voir le rayon apparaître à une puissance qui est la dimension de l'espace. Et K n'est pas la dimension de l'espace. Non, parce que c'est une histoire de delta qui est renormalisée tout comme il faut. Tu as gardé ta dimension dans ton produit scalaire. Il y a toujours le produit scalaire dans ça, cette écriture. Bon, enfin, c'est pour éliminer le produit scalaire de la fonction. On en reparlera. Je voulais terminer juste cette preuve, parce que ça va être l'heure de faire la pause. Et donc, vous voyez, voilà, c'est tout bon, puisque pour chaque cas fixé, un grand taux de epsilon j, avec une constante qui dépend de k, mais c'est quand même un grand taux de epsilon j, vous pouvez l'écrire sous la forme de l'intégrale d'une mesure fois ce qu'on veut. Donc, ce qu'il faut juste faire ensuite, c'est extraire une sous-suite qui converge au sens des mesures pour les mu j. Donc, vous pouvez toujours supposer que les mu j tendent au sens des mesures vers un mu. Évidemment, vous voulez que mu soit une mesure de proba, donc il faut vérifier que c'est une suite tendue. Mais en fait, si vous calculez l'intégrale des u à la puissance 2k des mu j de u, vous allez voir exactement ressortir la somme des epsilon j n puissance k trace de jnj qu'on a justement supposé borner. Donc en fait, la suite, elle est plus que tendue. Elle décroît plus vite que tout polynôme. D'accord ? Donc, multiplié par n'importe quel polynôme, c'est contrôlé par une constante. D'accord ? Donc, elle est très, très tendue. Et donc, on peut passer à la limite, et on peut même passer à la limite faible contre n'importe quel polynôme, ce qui permet de passer à la limite faible ici, et d'en conclure le résultat. D'accord ? Donc, le mu convient. Sauf, évidemment, vous voyez que notre mu j vit sur des sphères. Et la différence entre les deux, là, c'est d'ordre racine de epsilon j, donc ça devient de plus en plus dense, et à la fin, on trouve une mesure qui vit dans tout l'espace, et plus du tout sur des sphères. Donc, on a démontré ce théorème lorsque V est de dimension finie, lorsque H est de dimension finie, et en se basant sur le théorème ici.
Donc après la pause, il faut que je vous explique d'abord comment on démontre ce théorème et ensuite comment on fait en dimension infinie. À tout de suite. Oui. Quand vous dites particules, vous ne parlez pas atomes. Non, si on regarde des particules quantiques, on ne spécifie pas quel type de particules on regarde. Ça peut se faire sur des protons. Oui, il faut juste que ce soit des bosons, c'est ça qui est important. Partout, j'ai pris symétrique, donc c'est des bosons. N'importe quel type de boson, évidemment, après, les modèles réels ont un W particulier. Les calculs ont été faits en accord avec les expériences physiques. Donc le problème, c'est que ça dépend de quel système on regarde. Mais si on regarde des atomes, le W, bon, d'abord, on n'est pas nécessairement dans une boîte. On peut toujours supposer qu'on est dans une boîte, ça, c'est pas grave. Mais après, le W n'est pas forcément connu. Et généralement, c'est une fonction qui décroît assez vite. Bon, comme van der Waals, mettons, à l'infini pour des particules neutres. Donc ça, ça va aller. Le W va être au moins intégrable. Mais par contre, notre problème, c'est qu'en dimension 2 et 3, on ne peut pas traiter des fonctions de x moins y à cause des divergences. Donc il y a un problème de renormalisation pour faire le lien avec le modèle physique qu'on n'a pas encore fait. Donc, c'est la deuxième étape. Pour l'instant, on a une interaction très lisse, très bien, très belle, mais il n'y a qu'en dimension 1 que ça peut traiter les W de X moins Y. Bien, donc je vous rappelle qu'on a démontré ce théorème en dimension finie, en admettant ce théorème ici de finitique quantitatif. Donc je vais vous faire la preuve de ce théorème ici, ça va tenir dans le tableau normalement. Vous allez voir, ce n'est pas très difficile. Donc je vous rappelle que tout est basé sur la résolution en état cohérent qui s'écrit... la résolution, l'identité à partir de produits tensoriels, qui peut aussi d'ailleurs se déduire d'une résolution en état cohérent, mais enfin qui s'écrit, je vais l'appeler C indice n, l'intégrale de U puissance n, intégrée sur la sphère. Et ici, c'est la mesure de R uniforme sur la sphère normalisée à 1, hein, qui vaut l'identité du produit tensoriel nème de V. Je vous avais dit la dernière fois, la preuve de ce théorème, c'est juste que cet opérateur ici commute avec tous les U tenseurs n ou U et n'importe quelle rotation. Et ensuite, en regardant le groupe engendré par tous les U tenseurs n, on en déduit que ça commute avec toutes les rotations et du coup, à la fin, que c'est l'identité. Et on trouve la constante en prenant la trace. Bien, donc du coup, j'ai introduit l'opérateur G tilde, qui est celui qu'on trouve avec la mesure, qui est juste U tenseur n. U tenseur n avec la moyenne sur la mesure mu, indice g. Et bien sûr, ce qu'on a, c'est que l'intégrale de u puissance k à u puissance k d mu g de u, c'est juste la trace de a tenseur 1 fois g tilde. Donc ce qu'on veut comparer, c'est la trace de a tenseur 1 avec g et la trace de a tenseur 1 avec g tilde. Donc on fait juste la différence. Donc on a A tenseur 1 avec G moins G tilde. Et G tilde, on peut l'écrire sous forme d'une intégrale. Ah, peut-être que je vous dis aussi que ce produit scalaire, on peut aussi l'écrire Cn, l'intégrale de PU tenseur N, G PU tenseur N, DU. D'accord, donc PU, c'est le projecteur de rang 1 sur U. PU tenseur N, c'est le projecteur aussi de rang 1 sur U tenseur N. Quand vous mettez un projecteur de rang 1 de chaque côté, ça vous fait exactement le produit scalaire. C'est le G tilde qui est égal à ça. Voilà. Et donc, du coup, ce que vous voyez, c'est que cette trace ici, donc c'est la trace de A tenseur 1 G moins Cn, l'intégrale de la trace de A tenseur 1, PU tenseur n, G, PU tenseur n, DU. Donc ce qu'il faut juste, c'est écrire cette première trace avec une intégrale, mais comme c'est une résolution d'identité, on peut insérer, donc ça c'est PU tenseur n, on peut l'insérer n'importe où, à gauche ou à droite, comme on veut, et on va trouver la même formule, sauf qu'on aura un seul PU au lieu d'en avoir deux.
Donc le tout, on peut encore l'écrire, c'est n, l'intégrale de la trace de a tenseur 1. Par exemple, pu tenseur n, g, et 1 moins pu tenseur n. Par exemple. Donc j'ai décidé d'insérer la résolution de l'identité entre a et g, mais j'aurais pu le faire à droite. Alors, comme A n'agit que sur les K premières, vous pouvez encore écrire la même chose. Tous les PU à partir de K plus 1 jusqu'à N, vous pouvez les mettre sur le A, comme ça c'est plus simple. Vous avez A tenseur PU N moins K. Et ensuite, vous avez un PU tenseur K, tenseur 1, G, et 1 moins PU tenseur K, tenseur 1. Il y a beaucoup de tenseurs, mais vous voyez bien ce que j'ai fait. Là, le PU tenseur N, les derniers, je les ai tous mis sur le A. D'accord ? Il y a une histoire de 1 moins, bon, il faut développer pour vérifier que ce que j'ai écrit est correct. Bon, ça ne va pas rentrer sur le tableau, mais presque. Donc, on est quasiment arrivé au bout. Alors, l'astuce maintenant, mais l'astuce, c'est vraiment une astuce pour avoir une bonne constante. C'est de compléter, de mettre un 1- moins ici pour qu'apparaissent exactement deux fois les mêmes opérateurs. Donc ici, on fait plus 1- moins 1. On développe. Et on trouve que ça vaut Cn, toujours, l'intégrale de la trace de A tenseur PU K. Et on a, donc on va avoir deux termes. On aura un terme avec un 1 moins PU tenseur K tenseur 1 G 1 moins PU tenseur K tenseur 1. Et puis on aura un deuxième terme avec un plus qui sera l'intégrale PU à la puissance N moins K. Et ici on aura juste G et 1 moins PU K. Donc là, on a terminé. Donc maintenant, l'astuce, c'est la suivante. Regardez, le deuxième terme, il est en fait déjà petit, même s'il n'a pas l'air très petit. Parce que maintenant, on peut défaire l'intégration. D'accord ? Et vous voyez que quand on développe, il y aura un terme où on n'aura que un PU à la puissance N moins K qu'on va intégrer sur U. Et ça, ça vaut l'identité, mais avec la mauvaise constante. Parce qu'on aurait bien aimé avoir la constante n moins k et pas la constante n. Et ensuite, vous aurez le terme, celui-là, qui va être très bien. Donc en fait, tout ça, c'est en fait donc le deuxième terme. Il est vraiment exactement égal à la trace de a fois g, encore. Donc on est en train de revenir en arrière un petit peu, si vous voulez. Et Cn sur Cn moins K moins 1. Et je vous rappelle, si vous l'avez oublié, que Cn, c'est la dimension, donc c'est n plus d moins 1, cette binomiale. Il reste pas le terme 1 moins PU puissance K ? Non, tout s'en va. Donc le terme avec le 1 tenseur 1 ici, donc je me retrouve à juste intégrer PU n moins K. Donc ça me change de coefficient. Et le terme avec PU puissance K, je me retrouve à l'intégrer, mais il y a le CN, ça fait exactement l'identité. Alors ensuite, il faut regarder ce quotient de binomial, mais vous voyez que pour N très grand, ça tend vers 1, et tout ça va être petit, ça c'est vraiment d'ordre KD sur N. Bon, il faut estimer les binomiales précisément, mais en fait, vous pouvez démontrer que ça s'estime précisément par 2kd sur n. Bon, je ne vais pas le faire. Hein, mais... Et bien sûr, ce terme ici, vous l'estimez par la norme de A fois la trace de G qui vaut 1. Donc ce terme, c'est exactement ce qu'on veut. Alors l'autre terme, on est un peu embêté parce qu'on a plus de...
On a plus de coefficients ici, là, plus d'opérateurs. Mais l'astuce, c'est d'utiliser que cet opérateur ici est positif, puisque G est lui-même positif et que je multiplie par le même des deux côtés. Et donc, du coup, celui-là, il est juste inférieur ou égal à la norme de A fois 1 tenseur PU tenseur N-K. D'accord ? Et si vous avez la trace de AB et que vous savez que A est inférieur ou égal à une constante fois l'identité et B est juste un opérateur positif, alors la trace de AB s'estime par la norme de A et la trace de B. C'est un peu ce qu'on a fait ici. D'accord ? Donc on fait cet estimé, mais ensuite vous voyez que ce qu'on obtient, on a un tenseur PU et un moins et un moins, mais on peut juste aller le mettre de l'autre côté. Mais comme c'est un projecteur, en fait ils sont égaux ces deux-là. Le carré vaut lui-même, et on retrouve exactement ce terme-là. D'accord ? Donc le premier terme, il s'estime en valeur absolue, en fait, par le deuxième terme. Enfin, pas tout à fait, par la norme de A fois le deuxième terme, parce que le deuxième, il avait le A à l'intérieur. Et donc, à la fin, vous trouvez le 4KD, puisque c'était 2KD sur N, vous trouvez le 4KD sur N. C'est tout. Bon, c'est une preuve très simple, quoique un petit peu technique, qui cache peut-être un petit peu l'intuition. Mais je vous rappelle que l'intuition, c'est vraiment que les U tenseurs N deviennent quasi orthogonaux pour N grand à partir du moment où ils ne sont pas collinéaires. Et donc, il faut trouver une manière de le détecter. Ce qu'on détecte ici en faisant apparaître le 1 moins PU tenseur K. Voilà. Donc ça, c'était pour la preuve de ce gros théorème ici, dans le cas de dimension finie. Maintenant, il faut que je vous explique, qui est un petit peu l'élément principal de ce cours, comment on fait en dimension infinie. Tout ça, vous voyez, dépend de manière cruciale de la dimension, qui est le D qui apparaît absolument partout. Donc on ne peut pas utiliser ces estimés directement en dimension infinie. Donc, quand on passe à la dimension infinie, donc, l'astuce, c'est de se ramener à la dimension finie, bien sûr, en utilisant ce qu'on appelle la localisation géométrique, ça s'appelle, qui n'est rien d'autre que juste la localisation d'état quantique quand on regarde un gros système et qu'on le restreint à un sous-système. Donc, l'élément principal, c'est le fait que les espaces de Fock ont une structure algébrique particulière, c'est presque des exponentielles. Je vous rappelle que l'espace de Fock, c'est C plus H, plus H tenseur H, sauf que nous, on a mis symétrique, plus etc. Et d'ailleurs, si on n'avait pas mis symétrique, la bonne manière aurait été de diviser par 2 factoriels, ce qui pour un espace ne veut rien dire, mais quand j'écris ça, ça veut dire pour la norme correspondante doit être divisée par 2 factoriels, c'est le facteur de Boltzmann. Donc vous devez vraiment penser que l'espace de Fock c'est exponentiel de H. Et comme c'est une exponentielle, ça va avoir des propriétés particulières vis-à-vis des sommes directes. Donc la propriété importante, c'est que si vous prenez un sous-espace V qui sera de dimension finie pour nous, et que vous écrivez H comme V plus V orthogonal, eh bien l'espace de Fock de H va être isomorphe à l'espace de Fock de V produit tensoriel avec l'espace de Fock de V orthogonal. Nous, on n'a pas les factoriels dans la norme, c'est parce qu'on a pris un produit symétrique, ce qui est un petit peu comme divisé par n factoriel. Donc ça, c'est la propriété principale. Alors, qu'est-ce que c'est que cet isomorphisme entre les espaces de Fock ? C'est quelque chose de très simple. L'espace de Fock ici est engendré juste, si vous prenez EI, une base orthonormée de H, l'espace de Fock va juste être engendré par EI1, tenseur symétrique, EI2, tenseur symétrique, etc. EI petit n, avec un n quelconque. L'isomorphisme, c'est juste à cette base associée. Donc vous prenez une base orthonormée, et vous supposez que E1 jusqu'à ED est une base orthonormée de V, et puis que donc les suivants, c'est
une base de l'orthogonale. Donc vous associez juste, vous mettez à gauche, ça n'a pas d'importance, c'est un produit symétrique, vous pouvez les mettre dans l'ordre que vous voulez. Donc vous mettez à gauche tous les EI qui ont des IK inférieurs ou égaux à D, et ensuite tous les EI qui ont des IK supérieurs ou égaux à D plus 1, et vous transformez le produit tensoriel symétrique en un produit tensoriel, et ça vous donne l'isomorphisme. Donc en utilisant le fait qu'un espace de Fock est en fait un produit tensoriel quand on prend un sous-espace, ça permet de définir ce qu'on appelle l'état localisé dans un sous-espace V. Donc quand vous avez un état gamma sur l'espace de Fock, donc un état, je vous rappelle, c'est juste un opérateur auto-adjoint positif de trace 1, on peut lui associer ce qu'on appelle le localisé dans V, qui en fait est un état qu'on peut noter gamma indice V sur l'espace de Fock associé à V et qui est juste défini en se débarrassant de la partie ici, en faisant une trace partielle, c'est-à-dire une marginale. On regarde la marginale, c'est-à-dire on fait la trace partielle sur la deuxième partie du produit tensoriel de gamma. Évidemment, tout ça c'est à isomorphisme près, mais vous comprenez mes notations. Donc ça, c'est la bonne manière, quand on a un système quantique, de regarder le système dans un sous-espace, sur un ensemble plus petit. Et tout comme quand on a une mesure sur un espace, on peut la regarder sur un plan en regardant la marginale. Bon, c'est exactement ce qu'on fait ici, sauf qu'on a utilisé la structure particulière de l'espace de Fock. Alors, quelles sont les propriétés de cette localisation? Il y a une propriété très importante, qui est l'action sur les marginales. Finalement, c'est l'action sur les marginales qui nous intéresse plus que cette construction abstraite. Donc, quand on a un état gamma, je vais appeler gamma k la marginale, qui est la somme n supérieur ou égal à k de n factoriel sur n moins k factoriel de la trace partielle de k plus 1 jusqu'à n de gn, qui est la... Donc gamma, c'est G0 plus G1 plus etc. De sorte que nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la trace de A fois gamma K. Et c'est toujours ces objets qu'on étudie partout. Donc du coup, c'est naturel d'introduire cet opérateur. J'ai juste retardé le moment de l'introduire le plus possible. Mais à un moment, il faut bien passer par là. Donc ce qui est vraiment très important, c'est que si vous regardez l'état localisé défini de cette manière un petit peu abstraite et que vous calculez sa KM marginale avec cette formule, alors vous allez trouver que c'est le projecteur orthogonal sur V tenseur K fois la marginale de gamma. Donc vous avez un lien extrêmement facile entre les marginales de gamma et les marginales du localisé. On projette simplement de manière très simple, en appliquant le projecteur de chaque côté, les marginales de gamma. Donc plus que la construction abstraite, encore que la construction abstraite va jouer un rôle très important, ce qui est très important pour nous, c'est comment ça agit sur les marginales. Évidemment, il faut faire le calcul, je n'ai pas du tout envie de faire, pour montrer que c'est vrai, mais c'est vrai. Alors ça permet de démontrer le théorème et de se ramener au cas de la dimension finie de la façon suivante. Donc je vous rappelle que nous, on suppose que la somme de epsilon j n puissance k fois la trace de gnj, on a une suite gamma j, hein, et on suppose que cette somme est majorée par une constante ck. Alors si on réécrit et on a introduit l'opérateur gamma k qui vaut la somme des n factoriels
n-k factoriel. Alors c'est le gamma kj pour nous maintenant. Et ici la trace partielle de k plus 1 à n. Donc ce que vous voyez, c'est que le n factoriel sur n moins k factoriel se comporte à k fixé comme n puissance k. En fait, ça s'estime même exactement par n puissance k. Et donc vous trouvez immédiatement que la trace de gamma j k fois epsilon j à la puissance k est en fait plus petite que ck. D'accord ? C'est une conséquence de notre hypothèse, mais c'est l'expression de notre hypothèse pour la suite des gamma j. Et donc, ce qu'on en déduit, c'est que epsilon j puissance k gamma j km est en fait borné. C'est un opérateur positif, parce que c'est obtenu par prendre des traces partielles. Et en fait, une suite bornée, quand je fais varier j et que je fixe k, dans l'espace des fonctions à traces. Pardon, l'espace des opérateurs à traces. Comme c'est une suite bornée dans l'espace des opérateurs à traces, on peut toujours rester à une sous-suite qui converge faible étoile. On n'utilise que les opérateurs à traces, c'est le dual des compacts. Donc on peut toujours supposer, quitte à extraire une sous-suite, que epsilon j puissance k gamma j k tend faiblement vers quelque chose, faible étoile, vers un certain gamma k. Et ce qu'on désire démontrer, c'est que nécessairement, cette limite ici peut s'écrire, donc ça c'est ce qu'on veut démontrer, l'intégrale de u puissance k u k d'mu de u. C'est en fait exactement ce que dit le théorème, puisqu'il dit que si on teste contre un opérateur A, on a convergence vers ça. Donc c'est ce qu'il faut qu'on démontre. Et c'est en fait exactement ce qu'on a déjà fait en dimension finie. Donc comment on utilise la dimension finie? Eh bien ce qu'on fait, c'est qu'on localise notre suite d'état dans un espace de dimension finie V. Donc maintenant on se fixe un V de dimension finie. Et on localise dans V. Et donc la matrice densité du localisé, donc gamma JV K, je vous rappelle que c'est en fait juste le projecteur orthogonal sur V appliqué à la matrice densité initiale. Donc évidemment, cette nouvelle suite ici, quand je la multiplie par epsilon j puissance k, ça va encore être borné dans les opérateurs à traces. Et comme ici, j'ai multiplié de chaque côté par un opérateur de rang fini, enfin même de rang 1, de rang fini, excusez-moi. Quand vous avez un opérateur qui converge faiblement, faible étoile, et que vous multipliez de chaque côté par un opérateur de rang fini, bah, du coup, vous avez convergence forte. Vous êtes en dimension finie. Donc là, vous avez convergence forte, et vous savez quelle est la limite. La limite, c'est juste le projecteur appliqué à la limite gamma k, comme ça. D'accord ? Ou gamma k, c'est la limite faible dont on aimerait démontrer qu'elle s'écrit sous la forme avec la mesure. Pardon ? Oui, mais là, en fait, on est en dimension finie, alors ça n'a pas d'importance. Sauf qu'évidemment, il faut que je mette les epsilon j puissance k. Voilà. Bon, mais vous voyez, là maintenant, on est en dimension finie. Donc on l'a déjà fait. Donc en fait, on sait que cette limite ici peut s'écrire intégrale de u puissance k, u tenseur k, avec un certain mu v de u. C'est juste que le mu dépend de v. Mais vous voyez, on a démontré exactement ce qu'on voulait, sauf qu'on a ces projecteurs ici. Mais donc, dans un deuxième temps, donc ensuite, on fait tendre V vers tout l'espace, c'est-à-dire, en fait, on prenait au départ une base quelconque, et puis on prenait juste l'espace engendré par les D premiers vecteurs. Et ça va tendre fortement maintenant vers gamma K. Et ça, on va trouver une suite qui, en fait, se trouve être tendue. Ça va converger faiblement vers un mu. Et on aura la formule qu'on veut, que gamma k sera égal à uk
uk, les mu de u. Et ça termine la preuve du théorème. Donc, l'astuce, c'est de se placer en dimension finie en utilisant cette localisation qui est basée sur une propriété algébrique des espaces de Fock, c'est-à-dire le fait que quand on prend un sous-espace, les espaces de Fock deviennent des produits tensoriels et du coup, on peut définir un état en prenant une trace partielle. Donc, ce que vous voyez après cette démonstration, c'est que quand on a une suite d'états quantiques dont le nombre de particules tend vers l'infini, en fait, toute puissance, et se comportent tous un peu pareil avec le epsilon j, epsilon, c'est n'importe quoi, c'est juste que ça tend vers zéro, alors on peut naturellement trouver une mesure mu, une mesure de probabilité, sur l'espace initial, de sorte que toutes les marginales ou les matrices densité, multipliées par epsilon j à la puissance k, tendent faiblement vers une moyenne avec un u puissance k, et tout le monde a le même mu. Donc maintenant, pour démontrer notre théorème ici de convergence du problème quantique à température T vers le problème classique, on va utiliser exactement cet argument, c'est-à-dire on va regarder l'état de Gibbs qui est solution de ce problème variationnel ici, et on va montrer qu'il vérifie des estimés pour un certain epsilon j, enfin ou epsilon t, qui en fait va être 1 sur t. On va montrer que, donc du coup, on va trouver automatiquement un mu à la limite, on ne saura pas encore qui est mu, mais on va montrer que mu est solution du problème variationnel classique, et du coup, on en déduira que c'est le mu qui est la mesure non linéaire. Donc en utilisant les problèmes variationnels, on va réussir à identifier la mesure mu qui est obtenue de manière abstraite par ce théorème ici. J'aurais peut-être dû l'appeler nu, pour ne pas la confondre avec notre mu. Alors, j'essaie de garder le plus de choses possible. Je pense que je peux effacer ici. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est passer à la limite faible dans le problème variationnel qui est écrit ici et qui caractérise gamma, et faire apparaître les mesures semi-classiques, c'est-à-dire les mesures qui vérifient ces propriétés ici. Et pour ça, le lemme fondamental, c'est le suivant. Donc c'est vraiment le cœur de la preuve, ce petit lemme. Donc vous prenez des suites gamma j et gamma j prime et epsilon j comme avant. Et puis vous appelez, je les appelle nu et nu prime, les deux mesures de probabilité comme avant, donc obtenues par ce théorème. C'est à sous-suite près, donc on suppose qu'il n'y a pas de sous-suite. Hein. Alors, la lime inf de l'entropie relative des gamma j avec les gamma j prime est supérieure ou égale à l'entropie relative classique de nu avec nu prime. Ça, c'est vraiment le lemme fondamental, puisque ce qu'on désire faire, c'est comparer ce problème variationnel avec le problème variationnel pour les mesures. Et donc, c'est ce qui va traiter complètement le premier terme avec l'entropie relative, qui a l'air d'être le terme le plus difficile. Et la preuve de ce lemme repose très fortement sur les propriétés de l'entropie relative qu'on a démontrées la semaine dernière. Elle se fait en plusieurs étapes, et vous allez voir que chaque étape utilise très fortement toutes ces propriétés équivalentes de l'entropie relative, qui sont la convexité jointe, etc. Alors, comment on fait la preuve? Eh bien, il faut passer en dimension finie, auquel cas, on comprend mieux ce qui se passe. Donc, quand on passe en dimension finie, ça veut dire qu'il faut localiser les deux états. Donc, on prend un V de dimension finie. Évidemment, en fait, on prend une base et V est juste l'espace engendré par les D premiers vecteurs de la base. Et donc, la première étape consiste à remarquer que l'entropie relative décroît si on localise les états. Et la raison, c'est qu'en fait, ces états localisés sont définis avec une trace partielle,
Et ça, c'était la propriété 3i de la semaine dernière, le fait que l'entropie relative décroît quand on a un espace ambiant qui est un produit tensoriel et qu'on prend une trace partielle. Relative décroît avec les traces partielles. Et c'est vraiment quelque chose qui exprime le fait qu'on perd de l'information quand on regarde un sous-système par rapport au système total. Bien. Donc ça, c'est, on a utilisé une propriété importante de l'entropie relative. Alors maintenant, on va encore en utiliser une autre. C'est que donc les gamma JV, chacun... Je vous rappelle, on considère que des gens qui sont des sommes directes, hein. Donc ça, c'est une somme de GJN, je ne mets pas le V, parce que sinon on va avoir trop d'indices. Ça, c'est une somme de GJN prime. Maintenant, on est en dimension finie. Enfin, on est quand même en dimension infinie, parce que l'espace de Fock est dimension infinie, mais il est fabriqué sur un espace de dimension finie. Et je vous rappelle qu'ici, on avait introduit... donc on a une mesure μj et une mesure μj prime, qui sont ces mesures définies sur les sphères et qui sont obtenues en prenant les GJ et en les testant contre les U tenseurs N. Et bien, quand on va remplacer les G et les G' par les mesures, l'entropie va encore décroître. Et c'est une autre, l'entropie relative, pardon, c'est encore une autre propriété de l'entropie relative. Donc l'idée, c'est la suivante. Je vais essayer de vous expliquer rapidement. Cette fois, on va utiliser la propriété suivante qu'on avait aussi démontrée. C'est que si on avait une résolution de l'identité que j'avais écrite avec une somme, ce serait une intégrale, mais c'est pareil. Alors en fait, la somme sur k des h de xk à xk étoile, xk b, xk étoile, est un four égal à h de ab. C'est une propriété qui se trouve être équivalente à ce qui se passe quand on prend des traces partielles, qui est aussi équivalente au fait que l'entropie est convexe par rapport aux deux variables. On avait démontré tout ça la semaine dernière. Ceci vous dit en fait que ça va décroître quand on remplace les G et les G' par les mesures μjn et μjn'. Alors je vais essayer de vous expliquer ça rapidement. Vous voyez que comme les deux sont des sommes directes, les entropies relatives sont en fait les sommes sur n des entropies relatives des G. Donc il suffit de le faire à n fixé. Donc on le fait à n fixé. D'accord ? Donc à n fixé. Donc j'ai juste un G et un G', je ne mets plus tous les indices. Et j'ai les mesures μg. Donc je vous rappelle que d μg de U, c'est n plus d moins 1, d moins 1. Et U tenseur n, g, u tenseur n, du. Et on est sur la sphère. Alors comment on fait? Eh bien, l'intégrale des n plus d moins 1, d moins 1, pu tenseur n, du, ça vaut l'identité, c'est ce qu'on a déjà utilisé plusieurs fois. Et ça, on va l'interpréter comme la somme des xk étoiles xk, sauf que xk sera égal à xk étoile, ce sera ce projecteur, fois tous les coefficients qu'il faut, et la somme, c'est l'intégrale. Donc si vous regardez l'entropie relative de g avec g', ce que va vous démontrer cette inégalité ici, c'est que vous allez pouvoir minorer par l'intégrale, donc ça c'est la somme, et je vous rappelle aussi la propriété que h de TATB est égal à TH de AB. Donc quand on a la même constante ici, on peut la sortir. Du coup, vous allez trouver exactement h de PU tenseur N, G PU tenseur N, PU tenseur N, G' PU tenseur N, et puis ensuite le coefficient N plus D moins 1, D moins 1 qui est devant, et DU. D'accord ? Donc on a utilisé ça, et l'homogénéité, il y a un DU que j'ai sorti, bon, vous voyez, il faut discrétiser l'intégrale pour que ça ait un sens. Mais... Alors ce que vous voyez, c'est que
Ça, en fait, c'est juste un nombre. Ça, c'est U tenseur N, G U tenseur N, fois un projecteur de rang 1. Et ça, c'est un autre nombre, fois le même projecteur de rang 1. Donc, ce qui est complètement évident, puisque vous avez des projecteurs de rang 1 et que c'est les mêmes, c'est que c'est un problème en dimension 1. Mais un problème en dimension 1, c'est le même qu'un problème classique, c'est pareil. Donc là, je peux remplacer par le H classique, qui vaut juste A log de B sur A, pardon, A log de A sur B, où ça c'est A et ça c'est B, et enlever les opérateurs qui sont des opérateurs de rang 1. Et H classique veut vraiment dire lui fois le log de lui sur lui. Bon, mais maintenant, vous voyez que c'est exactement ce qu'on voulait en revenant en arrière. Ça, c'est exactement le H classique, maintenant, des mesures. Donc, vous avez une relation exacte, et on avait la même relation exacte sur l'entropie. C'était une égalité qui s'appelait de Beresin-Lieb, sauf que maintenant, c'est sur l'entropie relative, et que c'est plus compliqué, puisque c'est basé sur, sur la convexité jointe. Je vous rappelle, on avait démontré ça en utilisant le fait que H était convexe par rapport au couple AB. Donc c'est la convexité jointe. Et la première étape était aussi la convexité jointe. À chaque étape, on utilise des propriétés qui sont toutes équivalentes. Donc, si on résume où on en est, pour l'instant, on n'a absolument rien perdu. Il n'y a pas de Lie-Mainf ni rien du tout. C'est juste des inégalités exactes. Donc le H de gamma J... gamma J' est exactement supérieur ou égal au H du localisé, qui était exactement supérieur ou égal au H classique du mu J'. Maintenant, on peut prendre les Lie-Mainf. Donc, on prend la Lie-Mainf du premier. Et ensuite, on va prendre la Lie-Mainf ici. Je vous rappelle que par définition, le mu JV, c'est cette mesure qui est définie sur les sphères là, converge faiblement vers un mu indice V, au sens des mesures. Et d'ailleurs, les mesures étaient toutes tendues, on pouvait tester contre n'importe quel polynôme, et lui, il tend vers un mu V'. Pour la convergence au sens des mesures. Donc il faut pouvoir passer à la limite, mais comme c'est une fonction convexe, maintenant, on utilise la convexité cette fois, sauf que c'est la convexité classique, donc c'est un petit peu plus facile, mais on l'utilise quand même. Comme c'est une fonction convexe des deux variables, elle est faiblement semi-continue inférieure, et donc on peut passer à la limite faible et trouver mu v et mu prime v. Et ensuite, vous voyez ce qu'il faut faire. La dernière étape pour conclure, c'est de faire grandir l'espace v, pour le faire tendre vers notre espace de dimension infinie. Donc en fait, au départ, on avait pris une base, et V, c'était l'espace engendré par les deux premiers vecteurs. Et maintenant, cet objet va être croissant, puisque par monotonie, c'est le problème à l'envers, lorsque le V augmente, ça va être une suite croissante, et on peut démontrer, bon, en fait, c'est même un peu la définition, c'est que ça tend vers l'entropie relative de mu et mu prime. Et c'est comme ça qu'on conclut la preuve de Solesme. Donc Solesme donne le lien entre les entropies relatives des problèmes quantiques et les entropies relatives des mesures semi-classiques obtenues par ce théorème ici. Sauf que vous voyez, moi je ne sais pas démontrer Solesme avec le théorème, je suis vraiment obligé d'utiliser la façon dont les mesures sont construites, c'est très important. Donc c'est vraiment la preuve elle-même qui est presque plus importante que le théorème. Alors maintenant, on va pouvoir démontrer notre théorème. On a tous les outils qu'il faut. Du moins dans le cas où P vaut 1.
Donc, preuve du théorème. Si P égale à 1. Donc, P égale à 1, c'est le cas où la trace de H moins 1 est finie, qui est aussi le cas où la mesure va vivre dans l'espace de Hilbert, elle ne va pas sortir, ça ne va pas être trop compliqué. On a vraiment tous les éléments pour comparer les principes variationnels. Vous voyez, on a fait le plus difficile avec l'entropie relative. Donc on regarde l'opérateur, l'état gamma t lambda, qui est 1 sur le z de t lambda exponentielle moins h lambda sur t. Et ce qu'il faudrait démontrer, c'est qu'il vérifie les hypothèses de ce théorème ici, c'est-à-dire il vérifie cette hypothèse-là avec un epsilon j bien choisi. Je vous dis que l'epsilon j sera 1 sur t. Ensuite, on va en déduire l'existence d'une certaine mesure nue. Et puis ensuite, on va faire une comparaison des principes variationnels et on montrera que le nu doit être égal au mu. Donc ce qu'il faut, c'est avoir des estimés a priori, c'est-à-dire démontrer que le gamma vérifie quelque chose de ce type avec epsilon j égale 1 sur t. Donc pour ça, évidemment, il faut commencer par le vérifier dans le cas où il n'y a pas d'interaction, puis ensuite montrer qu'avec l'interaction, ça ne va pas être, ça va pas être bouleversé. Donc avant de faire ça, on va avoir des estimés supérieurs et inférieurs sur le z lambda. Donc je vous rappelle que le log de z de t lambda divisé par z de t0, c'est l'inf de la trace de... c'est l'entropie relative de gamma avec gamma 0 plus lambda sur t, la trace de W avec gamma. Donc comme j'ai supposé que W était un opérateur positif, c'est clair que tout ça est positif. Déjà. Ce qui revient à dire que le z sur le z0 est inférieur ou égal à 1. Maintenant, il me faudrait une bande supérieure. Donc, pour avoir une bande supérieure, on prend une fonction, enfin, un opérateur test. Et évidemment, on prend gamma égale gamma 0. Donc, on prend gamma égale gamma 0, on réduit c'est inférieur ou égal à lambda sur t, la trace de W gamma 0. Alors, la trace de W gamma 0, je vous rappelle que W, c'est l'opérateur qui est la somme des WJK. Et c'est des opérateurs qui agissent seulement sur deux particules à la fois. Et donc ça peut s'écrire en utilisant la matrice densité d'ordre 2. Le gamma 2 que j'avais défini, si vous faites le calcul, vous allez voir que ça vaut lambda sur 2t, la trace du W, fois le gamma 0, 2. Et maintenant, c'est une trace sur H, tenseur symétrique. Donc c'est beaucoup plus simple, parce que là c'était une trace sur l'espace de Fock, et là maintenant c'est une trace sur un espace fixe. Donc ce qu'il faut faire, c'est avoir des informations sur gamma 0, 2, mais si vous faites un petit calcul qui n'est pas tellement marrant, mais croyez-moi, il est trop tard pour le faire, ici, gamma 0, k se trouvait égal à k factoriel, exponentielle h sur t moins 1, la puissance moins 1, le tout tenseur k. Bon, restreint au sous-espace symétrique. Bon, ça, c'est un calcul célèbre, ça vient du fait que gamma 0 est un état quasi libre, et pour les états quasi libres, on peut tout calculer. Bon. Donc ce que vous voyez immédiatement, c'est que ça s'estime. D'accord, 1 sur l'exponentielle de x moins 1, je dis que c'est inférieur ou égal à 1 sur x. Et donc ça va s'estimer par k factoriel divisé par h tenseur k. Et j'ai oublié le t à la puissance k. Donc vous voyez très bien maintenant que si vous prenez la trace de gamma 0 k, vous allez avoir la trace de h tenseur k là on est restreint en symétrique, mais qui se majore dans tout l'espace par la trace de h moins 1, le tout puissance k, fois le t puissance k. Et donc si je mets le t de l'autre côté, c'est mon epsilon, et j'ai exactement démontré
que quand je n'ai pas d'interaction, en prenant epsilon j égale 1 sur t, je vais avoir cette propriété ici. Je ne l'ai pas exprimé avec les n, je l'ai exprimé avec les gamma k, mais c'est la même chose. Donc quand le lambda vaut 0, l'état de Gibbs a le bon comportement avec epsilon égale 1 sur t. Bien, donc ça c'est très bien, mais maintenant je mets cet estimé ici, et vous voyez que je trouve que 0 est inférieur ou égal à moins log du quotient qui m'intéresse, qui est inférieur ou égal à lambda fois, alors, lambda fois t, parce que j'ai le t carré, le 200 va, je crois, et la trace de W, h moins 1, tenseur h moins 1. J'ai utilisé cet estimé. Donc vous voyez apparaître immédiatement le fait que cette trace doit être finie, de manière à avoir un contrôle, qui était l'hypothèse de notre théorème. Donc l'hypothèse de notre théorème dans le cas P égale à 1 consiste juste à demander que l'interaction soit finie ou reste du bon ordre quand je mets l'état de Gibbs sans interaction. C'est une manière de dire que l'interaction ne va pas trop bouleverser l'état sans interaction, du point de vue énergétique. Et ça, je vous rappelle que ça tend vers 1, puisque lambda se comporte comme 1 sur t, et donc on a une borne inférieure et une borne supérieure. Donc ce que ceci démontre, c'est qu'en fait, le z lambda divisé par le z 0 peut être minoré par un certain epsilon strictement positif, qui est exponentiel moins ce nombre, et majoré par 1. Donc ce quotient va rester, ne va pas approcher 0, il reste inférieur ou égal à 1. Et par ailleurs, on a expliqué juste avant que la trace de n sur t puissance k et avec le gamma 0 était bornée par une constante ck qui est juste k factoriel et la trace de h moins 1, le tout à la puissance k. À peu près. Et donc maintenant, on voudrait démontrer la même chose pour l'état de Gibbs qui dépend de lambda. Donc ça, c'est très simple. Comment on fait? On regarde n puissance k gamma t lambda, la trace, qui est juste la trace de n puissance k exponentielle moins h0 sur t moins lambda sur t w divisé par z de t lambda. Et on va utiliser quelque chose de très important, c'est le fait que n commute avec l'opérateur qui est dans l'exponentielle. Et donc, comme il commute, je peux faire une borne très simple sur l'opérateur ici et dire qu'il est inférieur ou égal à... Alors, ce n'est pas vrai au sens des opérateurs, mais pour la trace, ça marche. Donc, le plus simple, c'est juste de dire que n puissance k, c'est exponentielle de k log n. Ensuite, de dire que le produit des exponentielles est l'exponentielle de la somme parce qu'il commute. Et ensuite, d'utiliser le fait que la fonction trace de exponentielle de a est croissante, comme on a vu la semaine dernière aussi. Trace de f de a est une fonction croissante par rapport à a, si jamais la fonction est croissante. Donc quand vous faites ça, vous trouvez immédiatement la trace de n puissance k exponentielle moins h0 sur t, divisé par zt lambda. Donc on a quasiment la trace pour laquelle on a une information ici, modulo le fait qu'on n'a pas divisé par le bon coefficient de normalisation. Mais comme on a cette information ici, vous voyez que ça peut s'estimer par 1 sur epsilon, qui est la constante ici, fois la trace de n puissance k gamma 0. Et donc on en déduit que l'information sur l'état sans interaction se transmet, à une erreur à 1 sur epsilon près, à l'état avec interaction. Et donc on peut appliquer ce théorème ici, qui construit les mesures semi-classiques, avec epsilon j, qui n'a rien à voir avec ce epsilon ici. Excusez-moi, peut-être je l'appelle eta, voilà, hop, eta. Epsilon qui vaut 1 sur t. Et on peut l'appliquer pour la suite gamma t0 et pour la suite gamma t lambda.
Donc si on applique ce théorème, on trouve deux mesures, nu et nu zéro. On a deux mesures nu et nu zéro. En appliquant le théorème là-bas. Alors je prétends d'abord que nu zéro est égal à mu zéro. Ça c'est le plus simple. Et ça c'est très facile. C'est parce que si vous regardez le gamma k 0, je vous ai dit que c'était k factoriel divisé par exponentielle h sur t moins 1 tenseur k. Et donc si je divise par t puissance k, ça, ça tend. Bon, en fait, en convergence même forte en trace, c'est vrai. Bon, nous, on n'a besoin que de convergence faible. Mais ça tend vers k factoriel sur h tenseur k. Et si vous faites un petit calcul, vous verrez que ça, c'est en fait exactement égal. Et on l'avait dit au cours numéro 2, je pense, quand on a discuté les mesures de Gibbs. C'est égal à la mesure gaussienne mu0 intégrée contre u tenseur k. C'est un calcul. On l'avait dit au moins pour k égal à 1, que l'intégrale du projecteur sur u intégrée contre la mesure gaussienne, c'était la fonction de Green, c'est-à-dire 1 sur h. Mais c'est vrai pour tout k. Et donc, comme on a ça, ça nous dit forcément que mu0 égale nu0. En fait, on n'a pas besoin du théorème, on aurait pu... ça se démontre en faisant un calcul directement. Donc il reste vraiment juste à vérifier que le nu est égal au mu. Et pour ça, on utilise le principe variationnel. Donc ce qui est clair, c'est que la lime inf, quand t tend vers l'infini, et que lambda t tend vers 1, de moins log du quotient des deux fonctions de partition... D'accord ? Donc ça, c'est la lime inf de l'entropie relative de l'état avec interaction et l'état sans interaction. Et ensuite, on a lambda sur t, la trace de W gamma. D'accord ? C'est la lime inf de tout ça. Alors ça, on a déjà commencé à le simplifier. On a dit que c'était la même chose que lambda t sur 2 et la trace de W avec la matrice densité d'ordre 2. Voilà. Lambda t tend vers 1, donc vous allez m'autoriser à mettre 1 ici. Hein. Alors, la lime inf de l'entropie, on l'a étudié, on a ce théorème qui nous disait que c'était supérieur ou égal au h de nu avec mu0, puisque maintenant on sait que la mesure semi-classique de l'état sans interaction est mu0. Donc il faut faire la lime inf du terme d'interaction, mais ça c'est très facile, puisque la matrice densité d'ordre 2 converge faiblement, c'est exactement ce que nous dit le théorème ici, vers la moyenne avec un u tenseur 2, u tenseur 2, des nus de u. Donc on a une convergence faible, bon, faible étoile, dans l'espace à traces, et par ailleurs, W est un opérateur positif, et donc comme il est positif, on peut utiliser Fatou pour les opérateurs, qui va nous permettre de passer à la lime inf ici. D'accord ? Donc Fatou va nous dire plus 1 demi, de l'intégrale de u tenseur 2 w u tenseur 2 des nus de u. On n'a pas besoin que w soit compact ? Non. On n'a pas besoin. On peut simplement écrire la trace, on commence par minorer par une somme finie sur une base, et ensuite sur la base on passe à la limite, puis tout à la fin on fait tendre la troncature. Une autre, mais bon, comme d'habitude, il faut interpréter au sens des formes, donc il faut mettre racine de W de chaque côté avant. D'accord ? Mais quand on a un opérateur fixe et puis une suite qui tend faiblement au milieu, ça passe à la limite faible. Et donc ce que vous voyez, c'est que là, on retrouve exactement
ce qui intervient dans la caractérisation des mesures classiques. Donc ça, c'est évidemment supérieur ou égal à l'inf sur tous les nus, qui vaut moins log de ZR, où le minimiseur, c'est quand nu est égal à mu. Et donc ce que vous voyez, c'est que si on arrive à démontrer une borne supérieure, du coup on aura égalité partout, et donc du coup on aura démontré la première partie du théorème que moins log converge vers ce moins log ici, et par ailleurs on trouvera que nu doit être un minimiseur, et comme le minimiseur est unique et que c'est mu, on en déduira que nu égale mu. Donc la seule chose qui manque, c'est la borne supérieure, mais ça généralement c'est plus simple, puisqu'il suffit de fabriquer un état test. Donc la borne supérieure, donc ça c'est simple, on fabrique l'état test suivant, donc on prend, je vous l'écris entre guillemets, donc gamma sera le Gibbs pour l'interaction projetée, on prend un espace de dimension finie, donc on prend V qui est l'espace engendré par les d premiers vecteurs propres de petit h. Je les avais appelés v tout à l'heure. Tant qu'à faire, autant choisir une base qui est adaptée à la mesure sans interaction, c'est plus simple. Donc on prend Gibbs pour l'interaction localisée dans l'espace v, tenseur gamma 0 sur l'orthogonale de v. On utilise le fait que l'espace de Fock est isomorphe à un produit tensoriel et on prend un état test qui est exactement un produit tensoriel, qui est juste l'état gamma 0 sur la partie en dehors de V et l'interaction projetée sur l'autre partie. Quand on fait ça, tout se simplifie et on se ramène en dimension finie. Si vous voulez, le fait que les états soient exactement égaux sur l'orthogonale de V va faire qu'on peut complètement ignorer cette partie et juste travailler dans l'espace de Fock généré par V. Donc on se ramène à la dimension finie avec une nouvelle interaction qui est P tenseur 2, W P tenseur 2. D'accord ? En dimension finie, on sait que la limite est vraie, parce qu'on l'a fait par ailleurs. D'accord ? Donc on fait cette limite en dimension finie, et tout à la fin, on fait tendre P vers l'identité, on enlève la troncature, et on trouve la borne supérieure. Donc ça, ça donne la borne supérieure, et ça conclut la preuve. Donc ça conclut la preuve quand P est égal à 1. Vous voyez que la preuve, finalement, est, bon, une fois qu'on a tous les ingrédients, ce n'est pas trop compliqué. Il y a ces propriétés un petit peu subtiles de l'entropie relative, le fait qu'on puisse comparer les entropies relatives des états quantiques avec les entropies relatives des mesures semi-classiques par des inégalités de type Bérézin-Lipp. Quand P n'est pas égal à 1, la preuve est beaucoup plus difficile, puisque je vous rappelle que la mesure sort de l'espace, et on a vraiment un problème technique, c'est qu'on ne sait pas, on n'a pas du tout de bonnes estimées sur les gamma k. Donc en deux minutes, je vous dis juste très vaguement les problèmes qu'on a et comment on fait. Donc si P est strictement plus grand que 1, c'est beaucoup plus difficile. Et on a un manque d'estimer pour les gamma k. D'accord. En fait, ces gamma k ne vont pas être bornés à trace parce que ça correspondrait au fait que la mesure reste dans l'espace de Hilbert. Comme elle sort, ils ne seront pas bornés. Donc ce qu'on a réussi à démontrer, c'est que le gamma 1 est pas trop mal. Si on le divise par t, il est majoré par une constante sur h en tant qu'opérateur. Donc maintenant, l'opérateur 1 sur h n'est pas un opérateur à trace, mais ce n'est pas grave, parce que si je mets à la puissance p, ça devient un opérateur à trace. Donc ça me dit que ça, c'est une suite bornée dans ce qu'on appelle un espace de Chatten,
c'est-à-dire des opérateurs qui sont tels que si on les met à la puissance P, alors c'est à trace. Donc c'est borné dans l'espace SP, qui consiste à mettre les valeurs propres à la puissance P. C'est un espace plus gros que l'espace des opérateurs à trace. Et le P, c'est celui pour lequel la trace de H puissance moins P est finie. Et donc du coup, on sait qu'il y aura une limite faible, c'est juste que la limite faible sera dans un espace plus gros, mais ce n'est pas très grave. Et ce qu'on observe aussi, c'est que si on localise, on regarde l'état localisé dans un espace de dimension finie, ça veut dire qu'on prend un projecteur sur les d premiers vecteurs propres de H, et bien du coup, on se retrouve avec une suite qui est bornée maintenant, on est en dimension finie, et du coup, tout ce qu'on a fait s'applique à peu près. Donc la technique de preuve consiste à projeter sur des espaces de dimension finie exactement comme maintenant, et là, tout sera borné, passé à la limite, et tout à la fin, quand on enlève la troncature, bah, la mesure qu'on a construite va sortir de l'espace, mais elle va vivre dans l'espace dans lequel on a des estimés sur la norme. Donc le problème, c'est que on pense qu'il y a des estimés du même type pour gamma k, mais on n'a pas réussi à les démontrer, et c'est pour ça que cette partie manque dans le théorème, on ne sait le faire que pour k égale à 1. On a quand même une autre caractérisation de la mesure, puisque on sait que la mesure mu qu'on a définie, c'est-à-dire avec ces... Donc quand on a une suite d'états, on commence par localiser, et ensuite on définit la mesure par cette résolution d'identité, on a cette mesure sur les sphères, converge vers mu, et ça, c'est aussi une caractérisation de la mesure finale, et on arrive quand même à démontrer que la mesure finale doit être égale à mu. La difficulté, c'est que comme on n'a pas d'estimé sur le gamma 2, du coup, on a beaucoup de mal pour faire cette preuve qui ici était très facile, qui était juste appliquer Fatou, parce qu'on n'a aucune estimée sur ce gamma 2 ici. Et donc en fait, la partie très difficile, bon, il y a d'abord la construction des mesures, bon, ça, à la fin, c'est pas si difficile, c'est-à-dire la généralisation du théorème de Hamari et Nier, dans le cas où la mesure sort de l'espace, ça, on a réussi à le faire. Mais la partie vraiment difficile, c'est ce qui était complètement évident ici avec Fatou, c'est-à-dire le fait que la lime inf de cette trace est minorée par ça. Et la façon de le faire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a localisé dans des espaces de dimension finie, on a contrôlé les erreurs, et à chaque fois, on perd un petit peu, et c'est pour ça qu'on avait besoin de ces estimés avec le P' qui faisait gagner un tout petit epsilon et qui permettent de contrôler les termes d'erreur ici. Donc je ne vais pas vous en dire plus, il faut que je m'arrête. Je vais juste vous donner des références pour ceux qui veulent en savoir plus. Donc il y a essentiellement deux références importantes. La première que vous pourrez regarder, c'est le cours de Nicolas Rougerie qui est le cours PECO. Ça doit être 2014. Donc il a écrit des très longues notes, il y a plus de 100 pages. Vous avez même une version française et une toute récente version en anglais. Et les deux sont sur Archive. Donc Nicolas faisait surtout le problème de l'état fondamental, des minimiseurs, dont j'ai parlé au premier cours, et qui peut, et dans le cas confiné, ça se démontre assez facilement avec le théorème d'Hamari-Nier que j'ai mentionné. Et il explique le théorème de De Finetti quantitatif, donc tout ça est expliqué en détail. Et ensuite, vous avez un tout petit appendice sur les mesures de Gibbs, où il explique seulement en dimension finie, ce que j'ai expliqué aujourd'hui tout à la fin. Donc la preuve en dimension finie. Et donc ensuite, si vous voulez savoir pour les mesures de Gibbs elles-mêmes, donc il faut regarder le papier avec Nam et Rougerie, qui est dans le journal de l'École Polytechnique. Qui vient juste de paraître. Merci beaucoup pour votre attention. Et est-ce que quelqu'un a commencé à étudier la dimension 2? Voilà, donc c'est une très bonne question. Donc, si on veut vraiment le relier avec les problèmes de physique en dimension supérieure ou égale à 2, il faut renormaliser.
D'accord ? Donc c'est ce que j'avais mentionné au deuxième cours. J'avais expliqué comment on pouvait renormaliser les mesures. Donc renormaliser, ça signifie que le W, on le remplace par quelque chose de mieux, comme ici par exemple, et ensuite on enlève la troncature et on soustrait les divergences pour voir exactement comment ça se passe. Donc ce qui serait très intéressant et qu'on essaye de faire, mais on n'a pas encore réussi, c'est de faire la limite de champ moyen et en même temps qu'on fait la limite renormalisée, de sorte qu'à la limite, on trouve la mesure mu renormalisée. Mais ça veut dire qu'on a deux limites couplées et du coup c'est plus difficile. Et par ailleurs, comme on soustrait des contre-termes, on a des propriétés de positivité qui sont perdues et qu'on avait utilisées dans la preuve et donc du coup c'est beaucoup plus difficile. Donc c'est encore un travail en cours, mais bien sûr, il y a un problème d'échange de limites. Donc on sait renormaliser la mesure mu finale en dimension 2 et 3, comme je vous l'avais expliqué, si le W est assez lisse. Si le W est une delta, il faut travailler plus, c'est beaucoup plus difficile, mais c'est aussi connu. Mais la limite de champ moyen, il faudrait soustraire les contre-termes et faire la limite en même temps, et on n'en est pas encore là. Oui ? Le W est toujours positif ? Donc dans l'épreuve ici, on a toujours supposé W positif et on l'a fortement utilisé. Mais ça serait vraiment bien de s'en débarrasser. Parce qu'au siècle précédent, quand on faisait la mécanique quantique, on utilisait des potentiels tels que la somme de WJK soit minorée par moins constante n. Donc si c'est positif, c'est très minoré. Oui, mais une fonction de type positif, ça marche aussi. La constante qui est essentiellement W0. Oui, donc ce que tu me dis, c'est que si W chapeau est positif, par exemple, je pense que ça marche aussi, je pense que c'est vrai. Mais il faut travailler un tout petit peu plus, mais je pense qu'on peut adapter l'épreuve et le faire marcher. Il faut toujours faire très attention en grand canonique que les choses qui se comportent bien... Le problème, c'est que tout marche très bien quand on a un 1 sur n devant l'interaction, mais nous, on a un 1 sur t qui n'est pas 1 sur n, et du coup, pour n très grand, l'interaction peut devenir gigantesque alors que c'est seulement... Parce que le 1 sur t n'est pas le 1 sur n. En grand canonique, tu rajoutes une constante au petit h, c'est tout. Oui, voilà. Voilà. Donc ça devrait marcher. On ne l'a pas fait, mais... En 1D, le W, on peut prendre moins delta si on veut, à condition de restreindre le nombre de particules, de faire le cas canonique, mettons. Et notre preuve... peut aussi marcher en 1D pour canonique. Bon, on ne l'a pas fait parce qu'on voulait faire tout d'un coup. Mais par contre, notre preuve ne marche pas si W est attractif canonique. C'est pas si simple, je pense. Donc il y a encore beaucoup de directions dans lesquelles il faut généraliser cette preuve. Et en fait, la force de cette preuve, c'est qu'on utilise l'aspect variationnel, mais c'est aussi un peu la faiblesse. Donc quand on essaye de faire la renormalisation en même temps qu'on fait tendre t vers l'infini, on a du mal à contrôler les termes, justement, parce qu'on a du mal à montrer qu'on a des minorations, et donc la preuve variationnelle devient un handicap plutôt qu'un... Mais je ne sais pas faire autrement pour l'instant. Merci à tous.